Janma réincarnée, la chanteuse sur cette thérapie spirituelle, ZAPTV. Ses tubes entêtants et son style inimitable ont fait d'elle l'une des artistes les plus emblématiques des années 80. 30 ans plus tard, ses tubes Johnny Johnny ou encore En rouge et noir sont dans tous les esprits. À 64 ans, Janma s'est éloignée des studios d'enregistrement mais continue de mettre à profit sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Début septembre, elle a publié le livre Génération Vegan, paru aux éditions Hugo Doc. Après des années de végétarisme, la chanteuse est devenue vegan en 2012. Vegan. C'est un déclic. On veut apporter du changement dans sa vie, on ne l'apporte pas. Quand on dit j'aime les animaux, on les aime tout et donc on ne les mange pas. Il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles aux animaux mais aussi à la détresse humaine. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, avait-elle notamment confié lors d'un entretien accordé à France Bleu en octobre dernier. Samedi 12 novembre, Janma était l'invitée de Mathieu Delormeau dans l'émission TPMP People. Après avoir dansé sur son tube Johnny Johnny, la chanteuse s'est confiée sur sa thérapie spirituelle. C'est vrai que moi il y a quelques années je ressentais des choses que je ne comprenais pas donc j'ai fait une thérapie spirituelle. A-t-elle commencé? Selon Janma, cette thérapie lui a permis d'en savoir plus sur ses vies précédentes. J'ai voulu comprendre pourquoi je m'étais réincarnée, pourquoi je crois en la réincarnation. Une fois qu'on rentre dans tout ça, ça donne un sens à la vie, a-t-elle continué. Une prise de conscience qui a changé sa vision des autres. Vous savez qui vous étiez avant? L'a interrogé Hugo Mano, chroniqueur de l'émission. Oui, j'étais une multitude. A répondu la chanteuse. C'est-à-dire qu'on n'a pas vécu une seule vie auparavant mais des centaines. On arrive avec des centaines voire des milliers de personnalités et de vies. Ce qui permet de comprendre pourquoi je change souvent la couleur de mes cheveux. Des confidences inattendues.